Les filets de protection sur la rosace de Notre-Dame de Paris, c'est eux. Tous ceux qui serviront à sécuriser le chantier, c'est encore eux. Un peu plus d'une semaine après l'incendie, c'est Alprec Filet, une entreprise familiale basée à Outreau, à côté de Boulogne-sur-Mer, qui a fabriqué en urgence les filets qui protègent désormais l'édifice. Vous restez aux œillets surtout, hein. Faut que ça avance. Hein. La commande a été passée ce lundi par un client de l'entreprise qui intervient sur le chantier. Lundi de cette semaine, on reçoit François, bonjour, j'ai besoin 15 filets de sécurité, délai mercredi 8 ou jeudi matin 8, merci, urgence Notre-Dame. On a mobilisé quelques compagnons ici, donc une dizaine de personnes pour cette commande, trois équipes de trois personnes, des coupeurs, des abouteurs, des ralingueurs, des ramandeurs, donc c'est des métiers qui sont très particuliers. En 24 heures, les salariés ont ainsi fabriqué près de 2000 mètres carrés de filets et pare-gravats polyamide haute résistance pour sécuriser le chantier. On est fiers de travailler pour la cathédrale Notre-Dame. Tout le monde a participé, tout le monde a été content de pouvoir participer à la rénovation de ce bâtiment en urgence. Créé en 1982, Alprec Filet travaillait au départ essentiellement pour la pêche. Aujourd'hui, François Copin et son frère Olivier se sont diversifiés. Ils fabriquent désormais des filets pour le CNRS, la Marine nationale, le foot ou le basket. Mais Notre-Dame les aura marqués. C'est quelque chose qui me prend aux tripes. J'ai des frissons dans le dos quand je vous le dis. Aujourd'hui, je pourrais dire dans 10 ans, 15 ans à mes petits-enfants, je le souhaite, on a travaillé, on a fait des choses pour ce chantier. Un travail réalisé dans l'urgence, mais dans les règles de l'art et surtout avec beaucoup de cœur.